Salut les gamers, on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Donc la dernière fois on est arrivé à Darth pour aller faire cette fois-ci une quête de l'Inquisition. Ça a l'air bien énervé quand même, je vais pas dire, mais bon, bref. Donc voilà, juste voir un truc vite fait. À combien on est en inventaire, combien d'objets? Bon, 34, ça reste faisable. Brise, roche, nain. Examiner, il faut être guerrier. Ouais, et Cassandra. Il faut être au niveau 7, forcément. T'as toujours quelque chose qui va pas, de toute façon. Franchement, j'ai hâte de savoir. Enfin, si c'est possible déjà, parce que c'est bien de savoir si c'est possible de pouvoir changer notre équipe, parce que Cassandra, je crois, il y a un moment de temps, je vais plus pouvoir la voir en couleur. Ça va devenir tellement physique, vous imaginez même pas. Non, c'est bon. Juste regarder si je peux. Non, j'ai rien. Là, il faut de la velotine, des pierres estivales, du vitrole bleu, des gemmes décoratives. Et source de bois, mais je sais pas où. Faut que je regarde sur internet, tiens. Faut que je regarde sur internet, justement, comment retrouver des sources de bois. Parce que bon, c'est vrai que cette quête-là, ça fait depuis le début du. Bah, depuis le début du gameplay, quasiment, que je l'ai. Donc, ce serait bien un jour ou l'autre que je la fasse. Bon, allez, on va convoquer. Convoquons! Alors, Fereldel, toujours. On va voir s'il y a autre chose. Alors, c'est quoi ça? Nos efforts portent leurs fruits et une part des bénéfices va vous être reversée. Utilisez avec parcimonie messagère. Ah, on avait lancé ça la dernière fois. Donc on peut continuer en fait cette mission là apparemment. Envoyez-les escorter caravane gageant votre moyen en état. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors ensuite. Ça c'est terminé tout ça. Ok, on va aller voir Aurelis. Alors, je suppose que vous êtes en vie parce qu'une partie de notre kit est revenue. Escortée par une bande de types en armure avec un œil poilu. Les humains sont bizarres. Par contre, on n'a toujours pas été payé. Essayez de ne pas mourir, vous me devez toujours une lame. Récompense obtenue, âge de guerre, Kunari, amulette du pouvoir. Ok. Ok, ok. Donc, terminé. S'adresser à Chantry à Val-Royau. Donc là, c'est la quête, justement... pour l'Inquisition. Les dernières prêtresses de la chanterie ont déclaré l'Inquisition hérétique. Nos tentatives d'alliance pour contrer la brèche ont été repoussées et pour le moment, il nous est impossible de mettre un pied à la capitale sans nous faire attaquer par la foule ou arrêter. Nous devons convaincre la chanterie de nous laisser entrer dans la ville afin de leur prouver que la messagère d'Andraste n'est pas le monstre qu'ils s'imaginent. Envoyer la messagère parler aux prêtresses n'est pas une si mauvaise idée. Vous n'êtes pas sérieuse? Mère Gisèle n'a pas tort. Pour le moment, la seule force de la chanterie, c'est leur unité d'opinion. Et on devrait ignorer le danger que court la messagère? Demandons-lui. Demandons-lui. Qu'est-ce que cela va changer? C'est suicide, je ne m'en fais pas. Ça va changer quoi? J'ai surtout l'impression que ça ne va pas résoudre grand-chose. Je suis d'accord. Ça ne ferait que donner de l'importance à la parole de la chanterie. Je l'accompagne. Mère Gisèle disait qu'elle pourrait nous donner des noms. Profitez-en. Mais pourquoi? Ça n'a rien de bien. On n'a pas le choix, Léliana. Vu la situation, personne ne va nous aider à refermer la brèche. Servez-vous du peu d'influence qu'on a pour rassembler les prêtresses. Ensuite, on avisera ensemble. Hey, Cassandra, directement, hein. Je vais vous aider. Alors... bon, bah on va y aller. On va y aller, on va voir ce que ça donne. Bon, apparemment, ce serait une brèche à refermer, ce que j'ai compris.
On va voir ça. Un cantique pour les défunts. Bélier. Je vous laisse lire, hein, comme d'hab. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Les chargements sont vraiment très longs. Ils sont vraiment très très longs. C'est pareil, j'ai vu qu'il y avait du multijoueur aussi sur Dragon Age. Je pense que je ferai un petit gameplay là-dessus, mais moi j'ai pas acheté Dragon Age pour le multijoueur, donc je fais vraiment juste une petite découverte. Je pense pas que j'irai un peu plus loin, je sais pas, après on verra. Hein, mais. La cité est toujours en deuil. Ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varric. Dame Messagère ? Vous êtes au service de Leliana. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Les mères de la Chantrie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Il y a des Templiers ici ? Les gens semblent penser que les Templiers les protégeront de... l'Inquisition. Ils se rassemblent à l'autre bout du marché. Je crois que c'est là que les Templiers veulent vous rencontrer. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. C'est pas la femme qu'on avait vue à notre réveil, vous savez, dans la maison, à Dars. Ils sont bien, hein. Ils veulent protéger les gens. Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les... Retournez à Dars. Quelqu'un va devoir les prévenir si on a du retard. À vos ordres, madame. On a des choses à lire, on va lire vite fait. Notre-Dame et les acteurs de son ascension et de sa chute. Que son message et son visage traversent les âges. Ok. De n'avoir pas baissé la tête en passant par la porte. Ce sont sympas les statuettes, je trouve. Et sa tête qui pèse soudain trop lourd. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Franchement, pour ses malheureux cheveux. Et son mal de tête sans rapport. Oula, je vais pas lire tout ça quand même. Hop là, voilà. Alors, le masque de lion. Les quais. Et la sorcière, ok. Hop, comme d'habitude, je vous laisse lire. Voilà. C'est quoi ça ? C'est un panneau. Ok, ensuite là. Déplacement rapide. Certaines zones ont plusieurs niveaux. Appuyez sur L2 ou R2 pour les afficher. D'accord, c'est pour se déplacer carrément rapidement. Ok, bah c'est cool ça. Examiner. Les pommes de la vie et de la mort. On dit que les pommes qui poussent près de la potence ont un goût amer pour les amants trompeurs. D'autres disent toutefois qu'un fruit à peine mûr ne devrait pas être le seul indicateur de fidélité qu'il soit. Ces derniers sont souvent ceux qui se retrouvent seuls le soir à errer dans les allées du bazar d'été. Mmh. Hop, on passe là. Donc c'est le déplacement rapide également. On dirait que les pouvoirs se liguent contre cette inquisition. Il y a un truc à lire, on va le lire vite fait. Hop. Merde. Merde. Bon, oh, d'accord. Pas grave, tant pis. Oyez, oyez, habitants de Val-Royau. Nous pleurons tous notre divine, son cœur innocent et magnifique, réduit au silence par traîtrise. Quel sort sera réservé à son assassin ? Je vais vous le dire. Voyez la soi-disant messagère d'Andraste.
qui prétend remplacer notre divine. C'est une fausse prophétesse. Voilà ce que c'est. Cette Kunari pervertit la parole du Créateur. Ouh là là! Alors, je n'ai jamais dit ça. Arrêtez, notre ennemi est bien réel. Je suis bien la messagère, ou discutons calmement. Arrêtez, tout simplement. Assez! J'en ai assez de ces mensonges! Nous sommes venus parler! C'est vrai. Tout ce que veut l'Inquisition, c'est mettre un terme à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Les Templiers sont revenus à la Chantrie. Ils combattront cette Inquisition et rétabliront l'ordre pour le bien de tous. Oh! Non, elle nous est inférieure. Comment osez-vous ? Eh bien, ça m'arrange. Vous n'êtes pas là pour nous. C'est censé m'impressionner. Et vous pensiez m'impressionner avec ça ? Ça ne vous était pas destiné, au contraire. Seigneur chercheur Lucius, nous devons absolument nous entretenir avant... Qui vous a autorisé à vous adresser à moi ? Seigneur chercheur ? Vous créez un groupe hérétique. Vous élevez un pantin au rang de prophète d'Andraste. Vous devriez avoir honte. Honte à vous tous. Les Templiers n'ont trahi personne en quittant la Chantrie pour combattre les mages. C'est vous qui avez échoué. Vous qui entravez la justice par le doute. Vous êtes venu faire appel à la Chantrie. Trop tard. Le seul destin qui mérite le respect, c'est le mien. Aidez-nous à fermer la brèche. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une alliance pour sceller la brèche. Oh, la brèche est effectivement une menace. Mais vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais, Seigneur chercheur, et si elle était bien l'envoyée du Créateur ? Et si... Silence ! Votre mission est d'une importance supérieure. Je ferai de l'ordre des Templiers un puissant rempart contre le chaos. Nous méritons indépendance et reconnaissance. Vous ne m'avez rien prouvé, et votre Inquisition encore moins. Templiers, Val-Royaux ne mérite pas notre protection. Partons. Un garçon charmant, n'est-ce pas ? Le seigneur chercheur Lucius est devenu fou ? Vous le connaissez bien ? Vous le connaissez bien. Il a pris la direction des chercheurs de la vérité il y a 2 ans maintenant, à la mort du seigneur chercheur Lambert. Il a toujours été honnête, sans jamais céder à l'ambition ou à la démagogie. C'est vraiment bizarre. Vous pensez qu'on peut le raisonner ? Je l'espère. Je suis sûre que certains membres de l'Ordre ne partagent pas ses opinions. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer à Dars pour en informer les autres. Alors, retourne à la chanterie de Dars. Qu'est-ce que c'est ? Un message accroché à une flèche ? Franchement, je me laisserais prise dans la gueule, ça aurait pas été... Un message est écrit en grosses lettres d'une main gracieuse et entourée de gribouillis. Les gens disent que vous êtes unique. Je veux apporter mon aide. Et je peux amener du monde. Il y a un méchant à Val-Royaux. Il paraît qu'il vous veut du mal. Cherchez des trucs rouges sur le marché, du côté des quais et près du café. Si vous le trouverez, vous le trouverez peut-être. N'oubliez pas vos armes. Les amis de Jenny Larousse. Un dessin bâclé des emplacements du marché est joint au message. Regarde dans mon cœur et arrache-moi cette vie de tristesse. Il n'y a que toi qui puisses nous apporter du réconfort. Oh, Créateur, où est le réconfort ? Vous êtes venu jouer les charognards maintenant que la divine est morte ?
murmurer votre coon pour étouffer notre cantique? Laissez-moi, je ne compte pas sur votre aide. Créateur, montre-moi la lumière. Eh, ils sont tous aimables, hein, c'est... Ô bourreau, retiens ta main, fais-moi ce plaisir. Ô juré au cœur des reins, le temps d'un sourire. C'est chic. C'est chic, c'est chic. Alors... Je pense que ce mais... Vous êtes la messagère d'Andraste, n'est-ce pas? J'ai une invitation pour vous. Invitation de la première enchanteresse. Vous êtes cordialement invité à la réception que je tiendrai au château du duc Bastien de Ghislain. Votre dévouée Vivienne de Fer, première enchanteresse de Montsimar. Enchanteresse de la cour impériale. Ouais, je sais pas si j'irai. On verra si j'ai le temps, tiens. Alors, là c'est quoi? Je peux pas lire. Le premier long, lion d'Orlaïs. Et c'est pas pour moi, hein, franchement, les mots comme ça, bizarre. Grâce de l'Empire Nord, cette estrade est réservée aux discours politiques présentés par des professeurs de sciences sociales de l'université d'Orlaïs. Veuillez noter que toutes les ventes de provisions cesseront une heure avant et reprendront une demi-heure après. Ça va être la même chose, de toute façon, que tout à l'heure. C'est quoi? Cet étalage est réservé aux présentations d'affection privée et esprit oublié, proposées par la compagnie Main Miss en scène. Réservé à son étrangeté, serf prudent et ses marionnettes immobiles sous verre. Eh ben, il y a du bordel, mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Du coup, j'ai envie de faire vite fait la quête. Attendez. Hache de cunerie. Une hache de cunerie. Ouais, on se tira pas. Attends, elle est balèze. Elle est balèze. Et un bouclier renforcé. Bon, voilà, ça on connaît. Mais il y a du pouvoir. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire en fait. C'était. Non, journal. Merde. Ah, oh, chier, tiens, l'entourage. Jenny Larousse, fouiller les quais, ça, voilà. C'est ça que je voulais faire. Alors. On va voir un peu ce que ça dit. Pff, j'ai même plus envie de vous parler. Franchement, vous êtes tellement aimable que... Que fuck. Il y a peut-être quelque chose ici. Je vais voir ça de plus près. Je vous laisse lire. Merci, cher ami, d'avoir aidé Dame Kiris. J'ai vu ceux qui se renseignaient sur la messagère prendre le troisième passage. Je n'ai pas pu rester pour les voir sortir. D'accord. La tête de madame tête brûlée. Franchement, j'ai même plus envie de vous parler, c'est affreux quoi. Ensuite, faut fouiller les quais et fouiller la partie supérieure du quartier marchand. Pouvoir doit vous satisfaire au plus haut point, chercheuse Cassandra. Nous sommes là uniquement pour nous entretenir avec les mères. C'est vous qu'il faut pointer du doigt. Évidemment, vous ne nous avez pas du tout forcé la main. Vous vous bercez d'illusions. Nous nous sommes fait humilier par nos propres templiers, et aux yeux de tous. Quant aux prêtresses, elles sont dispersées aux quatre vents, et leurs convictions avec. Dites-moi, êtes-vous réellement l'élu du Créateur, comme beaucoup l'affirment?
C'est possible. Je ne sais plus distinguer le vrai du faux. C'est possible, oui. Le créateur nous venir en aide. Et si je m'étais fourvoyée, j'imagine que ce n'est plus de notre ressort désormais. Nous verrons bien ce que nous réserve le créateur dans les jours à venir. On peut encore nous aider. Il n'est pas trop tard. La chanterie peut toujours nous aider et en sortir gagnante. Si seulement c'était vrai. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Nous ne cherchons pas un cheval gagnant. Nous voulons simplement faire le bon choix. Ouais, ma réponse. Ah, putain, mais... Non, je peux passer par là? Si je peux. Examiner. Voilà. Ensuite, examiner. Ok. Alors, mouchoir rouge plié autour d'une clé avec un petit message griffonné à la hâte. Clé volée à un ivrogne qui insultait la messagère. Je ne sais pas ce qu'elle ouvre, ma dette est réglée. Adieu. Lire. Miroir de la mer, la folie de Réville. Du coup, forger à l'étage supérieur. Tac. Changer d'étage. Ok. Voilà. Et du coup, directement d'ailleurs, échange de bons procédés. Un morceau de parchemin déchiré à la hâte d'un document formel a été enfoncé dans sa cachette avec une grande chaussette rouge. Et nous devons d'obéir. Retrouvons-nous à 3 heures pour discuter de la meilleure façon d'opérer. Sous le message, un griffonnage mal orthographié. Messagère, allez à l'heure, gloire à Azdrast. Ensemble, les messages révèlent d'une heure un itinéraire et la clé d'un emplacement sur la carte du monde. Ok. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on va regarder ce qu'il y a en haut, hein, de toute façon, examiner. Il y a beaucoup de choses à lire quand même. Moi je sais que j'ai pas trop le temps parce que si je lirais tout dans le gameplay, je pense que je vous ferais vite chier. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a quand même pas mal de choses. Hop. Voilà. Et. Oh, pousse-toi, Cassandra. Toujours les pattes celle-là. Là, c'est le déplacement rapide. Bon, là, y'a rien. Wouhou! Hop là! Mon appel. Garde-moi à tes côtés dans la mort. Accueille-moi dans ta gloire. Et montre à nouveau au monde ta faveur. Petite prière. Utilisez la carte du monde pour vous rendre au point de rendez-vous. Carte du monde. On va chercher un peu. C'est là. Hop, se rendre sur place. Vous auriez un moment à m'accorder? Grande enchanteresse Fiona? Le chef de la rébellion des mages? N'est-ce pas dangereux pour vous d'être ici? J'ai entendu parler de ce rassemblement. Et je voulais voir la fameuse messagère d'Andraste de mes propres yeux. Si vous cherchez de l'aide pour refermer la brèche, mes camarades sont peut-être votre meilleur espoir. Pourquoi?
Pourquoi maintenant? Ouais, pourquoi maintenant? Les mages refusaient jusque-là de parler à l'Inquisition. Pourquoi vous avez changé d'avis? Parce que je sais maintenant qui vous êtes. Et j'ai vu le vrai visage de la Chanterie. Je viens seulement vous inviter à Golfalois. Venez rencontrer les mages. On a tous à gagner d'une alliance, après tout. J'espère vous y voir. À bientôt, messagère. Donc, ça y est, la route de Golfalois va être débloquée. Ouais, à mon avis, elle va être débloquée, la route qui nous... Enfin, qu'on a été bloquée en moins de temps. À cause des mages, justement. Je pense qu'elle va être débloquée, donc plutôt cool. Hop. Donc là, on va aller voir Jenny Larousse. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est une petite fan. Une personne qui m'aime bien. Mais bon, ça se trouve, elle va faire un gros coup de pute derrière, mais bon. Repousser les gardes. Ok, hop, on attend un petit peu les gars. Hop. Ah, on est presque rendu. Hop, attaquer ma cible tous. Allez, on fait vite fait, vite réglé. Voilà. On a vite fait s'il n'y a rien à prendre. Apparemment. Non. Il n'y a rien. Je vais prendre une petite potion. Alors. Ouvrir, ok. Bon, la soigne, il n'y a que ça. Ouvrons. Wouhou! Messagère d'Andraste, combien avez-vous dépensé pour me démasquer? Cela a dû porter un coup dur à l'Inquisition. C'est un mec? Je ne sais pas qui vous êtes. Ne vous moquez pas de moi. Je suis trop important. Cela ne peut pas être un accident. Tôt ou tard, mes efforts auront raison de vous. Dites seulement un mot. Non mais qu'est-ce que... Ah, comment elle lui a cloué le bec. Ah, j'adore. N'est-ce pas? J'ai dit un mot. Les riches veulent toujours plus que ce qu'ils méritent. Bla bla bla. Obéissez-moi. Flèche en pleine face. Vous avez bien suivi les instructions. Contente de voir que vous... Oh, vous êtes baraqué. J'avais entendu parler de votre espèce, mais vous voir... Autre chose. Enfin, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est que vous brillez, non? C'est bien vous, la messagère. Est-ce qu'il est pareil, vous? Certains croient que je suis la messagère d'Andraste, oui, mais... Et vous? Vous êtes qui? Et c'était quoi, ça? Aucune idée. Je connais pas ce guignol et je me contrefous de qui c'est. Mes amis m'ont juste dit que l'Inquisition devrait se pencher sur son cas. Vos amis? Les elfes? Ah non! De vrais amis. Moi, c'est Serra. Ça, c'est notre bouclier. Faites le tour. Pour les renforts, vous en faites pas. Quelqu'un m'a dit où était planqué leur équipement. Ils sont plus nus. Elle a l'air super spé, mais j'aime beaucoup ça. Elle a l'air complètement cinglée, complètement barge, mais... Après tout, pourquoi pas, hein. Ça nous manquait un petit peu d'avoir des gens comme ça dans cette équipe. Des gens un petit peu foufou. On va fouiller vite fait, de toute façon. Et par contre, elle se bat bien, hein, franchement. Rien à dire. Les amis nous ont bien aidés sur ce coup-là. Cul nu. Donc, messagère d'Andraste, vous m'intriguez. J'aimerais me joindre à vous. Vous m'avez piégé, essayez de plus clair. Et si vous présentiez? Ça peut pas être mal. Si nous faisions un peu connaissance d'abord, un nom pour commencer? Un nom? Non, enfin deux. C'est, comment dire,
Voilà. Je vous ai envoyé un message pour que vous cherchiez des objets cachés par mes amis. Les amis de Jenny Larousse. C'est moi. Enfin, j'en fais partie. Il y a aussi un receleur à Montfort, une femme à Kirkwall, et il y en avait trois à Osterberg. Des frères, je crois. C'est juste un nom. Ça permet aux petites gens, les amis, d'appartenir à un groupe tout en donnant une bonne leçon aux nobles. Donc voilà, moi c'est Sarah. Les amis de Jenny Larousse, c'est tout un concept. Je me suis servi d'eux pour vous aider, de ça et de mes flèches. Ah, vous nous offrez des alliés, des espions ou des soldats, des alliés. L'Inquisition a déjà de nombreux amis haut placés. Vous avez de quoi renforcer ce prestige? Comment dire? Vous, les gens importants, vous êtes là, jouez au plus fort, blablabla, bla bla, je vais vous dominer. Non, c'est moi. Oh, vous dominez. Et là, vous avez les grands seigneurs aux bourses pleines, comme celui qu'on a tué. Ou c'était peut-être un de ces lèches-cul de sous-fifre. Peu importe, ces grands projets ont été réduits à néant par un bout de papier et par un chiffon rouge. Par quelqu'un qui savait même pas lire. Alors non, je suis pas le seigneur du paix dans la soie, mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez de vous retrouver cul nu. Comme ces gardes, j'ai volé leur... Écoutez, vous avez besoin de gens, oui ou non? Je veux juste rétablir l'ordre. Pas vous? Vas-y, viens. Y a pas de souci. Vous et vos amis devriez pouvoir m'être utiles. Fantastique! Vous faites bien de vous entourer tant que vous avez la cote. Ça vous évitera de vous retrouver cul nu. Et vous avez pas besoin de culottes parce que j'en ai un paquet. Il y a des marchands qui achètent cette merde. Ça doit bien valoir quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve à Dars, messagère. Ça va être grandiose. Ah franchement, elle est top. Franchement, elle est top, j'adore. Choix du groupe. Ah, je peux directement la prendre maintenant. Donc en fait, c'est une voleuse. Non. Ce que j'ai sur elle, en fait, c'est une voleuse. Donc ça veut dire qu'elle doit remplacer Varric. Par logique. Parce que autrement, on se fait deux voleurs. Non. Voilà, on va faire ça comme ça. Confirmé. Et voilà, on a... Mais enfin, j'ai pu remplacer Cassandra. Et franchement, je la trouve super stop. Stop. Super top. Alors là, franchement, tu me plais bien, toi. On va voir un truc vite fait. On va voir dans inventaire. Donc, Solas, Varric. Varric ? Oui. Sarah. Sarah avec ses flèches. Arme. Là, marteau manuel. Alors, bah du coup, c'est vraiment bête que j'ai vendu la dernière fois tous mes arcs, quoi. C'est un peu bête, hein. En armure, du coup, je peux rien te donner, malheureusement. Je peux rien te donner, malheureusement. En accessoire, allez, on va donner ça. Une ceinture à grenade. Voilà. Et puis voilà. Franchement, c'est chouette. Je suis très contente. Très, très contente. Merci de nous avoir rejoints. J'en pouvais plus de 430. J'en pouvais plus. J'en pouvais toujours plus. Par contre, elle a une sacrée gueule. Hein. Franchement, quand vous regardez à gauche. Là. Non, je sais pas comment vous montrer. Mais en fait, à gauche, en haut à gauche. C'est vous avez tous les personnages. Elle a une sacrée gueule. On dirait un cochon humanoïde. croisé de testostérone. Tout ce que vous voulez. Ça fait vraiment super spé. Du coup, on va reprendre là, par là, et cardiment. Ça fait vraiment super spé, mais bon, après, hein. Si elle est forte, si elle est bien, si elle est aimable et tout ce qu'on veut, moi, y a pas de souci. Et je suis très contente, j'ai pu enfin changer de personnage. Alors... Et elle me trouve baraquée quand même. Hein. On dit ça d'un homme, mais en règle générale, pas d'une femme. Je n'ai jamais entendu dire ah, t'es baraquée. Non, jamais entendu. Par contre, ouais, les mecs qui disent ouais, les meufs sont des bonnes, ça oui, il n'y a pas de problème. Hein, mais sinon, baraquée, non, c'est vrai que c'est un terme que j'ai jamais entendu.
Mais bon, après, ça doit se dire, à mon avis. Ça doit se dire. Du coup, avant de se laisser, j'ai bien envie de... j'ai bien envie qu'on aille lui parler un petit peu. Oh, poussez-vous. J'ai bien envie qu'on aille lui parler un petit peu. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à nous dire, mais... Donc là-bas, c'est Varric, normalement. Je cherche. Ouvrir. Ah bah là-bas. Donc c'est ça? Oh non, ça va. C'est juste que je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse. Ça aurait été marrant si vous étiez un homme. Tant pis. Enfin, arrêter des guerres devrait rapporter plus. Vivement que ça redevienne comme avant, que je puisse me faire des sous. Raison de plus pour renouer le dialogue entre les mages et les templiers. Il n'y a pas que ça, le conclave n'a pas réussi, vous êtes tel côté. Le conclave n'a pas réussi. Le conclave a déjà montré que ce n'était pas si facile. Bien sûr que si. Non. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont crié très très fort? Ça prouve rien. Ils sont trop occupés pour chercher à répondre aux vraies questions. Alors, on va leur ouvrir les yeux, c'est pourtant ça, quelle question. On va leur ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on est là, pour sortir tout le monde du gouffre. C'est les religieux qui vous disent ça? C'est important, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est à cause de ces croyances aveugles qu'on en est là, dans cette mouise puante. Ce dont tout le monde a besoin, c'est du retour à la normale, à l'ordre et au profit. Ça vous va, douce messagère? Votre présence me va, oui, avec un cœur. Ah non, non, on n'est pas dans la série des vies, là. On va réussir, il le faut, ça me va, je veux juste l'arrêter. Allez, vas-y, ça prend. Je me réjouis de vous avoir à mes côtés, Sera. J'espère que vous aussi. Miam. À plus tard, messagère. Messagère, il va falloir changer ça. Elle est complètement barge, complètement barrée, cette meuf. Franchement, elle est géniale. Franchement, j'ai envie de dire, elle est vraiment géniale. Je vais réparer la porte comme vous me l'avez demandé, Christa. Excusez-moi. Il y a quelque chose. Excusez-moi. Harit m'a dit de ne pas traîner. Je redemanderai demain. Eh bien, faites-moi signe si vous en trouvez une. Ah, par le créateur, c'est vous. Vous êtes la messagère d'Andraste. Et vous avez été envoyée ici pour nous tester. Pour voir si on accepterait une Kunari comme élue d'Andraste. Je crois que tout le monde mérite d'être aimé. C'est juste que le créateur fait certains d'entre nous plus grands et plus gris que d'autres et... Bref, je m'appelle Flissa. Je peux vous offrir à boire? Intimidé par les Kunari? Vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de Kunari à ce que je vois. Ah, non. Vous êtes la première. Comme je le disais, je m'appelle Flissa. Les soldats de l'Inquisition avaient besoin de se détendre, alors Liliana m'a demandé d'ouvrir une taverne. Rien de grandiose, mais il vaut mieux que les soldats traînent ici plutôt qu'ils aillent chercher les ennuis dans je ne sais quel village. D'où connaissez-vous Liliana? Vous dites que c'est Liliana qui vous a demandé d'ouvrir une taverne pour l'Inquisition. Comment vous l'avez rencontrée? Un coup de chance, à vrai dire. Je gérais une auberge à Denerim. Quand j'entendais des ragots intéressants, j'en touchais deux mots à Liliana. Parfois, ça l'aidait. Elle m'a demandé si j'aimerais avoir ma propre taverne, et j'ai dit oui. Je ne m'attendais pas exactement à ça. Ok. Au revoir. Au revoir. Allez. Il y a un truc à lire vite fait. Hop. Hop là. Voilà. Bon bah écoutez, c'est sur belles paroles qu'on se laisse là. Franchement, on a rencontré une alliée, mais je dirais pas géniale, mais de taille. Elle est vraiment, vraiment super, je trouve. Elle est vraiment unique. Unique dans son genre. Elle me plaît beaucoup. Elle a tout, entre guillemets, ce qui peut remplacer Cassandra. Elle a de la parole, elle a la force, elle a un petit peu tout. Donc c'est super, franchement ça me plaît pas mal. C'est uniquement pour ça. Donc on verra ce que ça donne ensuite par rapport au combat. Il est coincé dans la porte. Il s'est pris la porte dans la gueule, pour ça.
Donc voilà, on verra bien ce que ça donne dans les combats par la suite, mais bon, je pense que on a fait un bon choix. Parce que voilà, je pense que Cassandra, il est grand temps qu'elle prenne sa retraite. Il était grand temps. Donc voilà, bah, le prochain coup, de toute façon, maintenant on a compris qu'on pouvait changer déjà des... on pouvait changer les personnages. On ne peut pas rester avec Varric, Solas et Cassandra, on peut changer. Donc bah c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, au moins on crée son équipe nous-mêmes, elle n'est pas imposée. Donc moi je suis plutôt pour, voilà. Donc dites-moi par commentaire ce que vous avez pensé de notre ami. Notre nouvelle amie d'ailleurs, notre remplaçante de Cassandra. Et puis bah sur ce, on se laisse et puis on se dit à bientôt sur Dragon Age Inquisition. Et pour d'autres gameplays, vidéos, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!